ONG Vivre Mieux, Dameou Rabita. Oliva, c'est pas tout ce que tu vois dans la vie que tu dois manger. Y a des couleurs de vêtements que tu ne dois pas porter. Je dis, y a des nourritures dans la vie que tu ne dois pas manger. Jamais. Horoscope du jour. Jeudi 27 octobre 2022. Bélier. Les couples ne subiront aucune influence planétaire négative. Célibataire. Vous saurez choisir celui ou celle qui vous apportera ce que vous voulez. Les préoccupations financières seront au premier plan. Vous saurez prendre les décisions nécessaires pour votre équilibre financier. Excellente perspective professionnelle. Vous saurez élargir le champ de vos activités ou encore améliorer vos performances. Taureau, célibataire, soyez discret sur votre récente relation. Un ami sera prêt à vous détruire la relation. En couple, vous recevrez une mauvaise nouvelle de la famille, mais votre partenaire ne vous soutiendra pas comme il le faut. Jupiter vous offrira une occasion d'améliorer vos revenus. Votre énergie vitale sera un peu en baisse en raison des turbulences de Pluton. La solution, dormez davantage. Neptune pourra mettre quelques natifs selon la nécessité de faire un choix concernant leur avenir professionnel. Gémeaux. Si vous êtes en couple, le climat sera agréable et vos peurs commenceront à diminuer. Si vous vivez seul, ne vous attendez pas à faire une rencontre amoureuse. Vous craignez parfois pour votre avenir financier, à tel point que vous éprouvez certaines difficultés à profiter du présent. Ne vous laissez pas déconcerter pour autant, car Jupiter est à vos côtés. Si vous sentez des douleurs à la poitrine, rendez-vous à l'hôpital. Cancer, Saturne, embellit votre vie de couple. Cette planète vous aidera à instaurer une ambiance harmonieuse. Célibataire, une rencontre sentimentale sans lendemain est possible aujourd'hui. Sous l'influence de Neptune, votre tendance à la dilapidation s'arrêtera. Vous serez plus sage et vous saurez éviter les illusions. Vous ne manquerez ni de vitalité ni de joie de vivre sous la protection de Mars. Mais Mercure pourra vous rendre parfois nerveux. Un voyage d'affaires en ce moment serait très profitable et s'effectuerait dans les meilleures conditions. Lion, célibataire, sous l'impulsion de Mercure, vous pourrez bien céder à un coup de foudre aussi intense que bref. Profitez de la protection de Jupiter pour faire quelques économies. Vous n'êtes pas du genre à vous écouter, mais espérez les signaux que vous envoie votre corps. Votre tension risque de monter suite au mauvais comportement d'un collaborateur au boulot. Ne prenez aucune décision à la hâte. Vierge, changement de situation pour les célibataires. Vous pourrez envisager une amélioration de vos relations amoureuses si vous venez de faire une rencontre. Si vous êtes en couple, vous vous consacrerez à votre petite famille. À la faveur de Mercure, vous pourrez effectuer des transactions financières fructueuses, mais soyez vigilant. Vous pourrez avoir des accrochages avec votre entourage professionnel. Ne répondez pas aux préoccupations. Balance. En couple, faites l'effort de dire à votre partenaire ce que vous aviez sur le cœur. Célibataire, vous aimeriez une vraie histoire d'amour stable et durable. Côté finance, vous risquez d'avoir quelques problèmes comme vous ne voudrez pas vous priver de quoi que ce soit. L'argent filera entre vos doigts. Au travail, choisissez dans votre entourage des collaborateurs sûrs, consciencieux et animés de bonne foi. Scorpion, par moments, vous délaisserez votre partenaire, ce qui va l'énerver. Ne jouez pas trop avec les sentiments de l'autre, ou votre belle complicité pourrait en être affectée. Côté finance, vous n'aurez pas une rentrée d'argent extraordinaire. Dans le travail, ne gaspillez pas votre énergie. Vous aurez besoin de toutes vos forces pour mener à bien des
projets importants. Sagittaire, célibataire, vous risquez d'avoir des difficultés à trouver un juste équilibre. Votre problème est de ne pas savoir exactement ce que vous voulez. En couple, tout se passera pour le mieux. L'argent que vous espérez ne vous parviendra pas à temps, mais vous l'aurez. Au travail, vous pourrez dormir sur vos deux lauriers. Vous aurez même l'opportunité d'aller de l'avant en faisant preuve d'une bonne intuition. Capricorne, vous accepterez les décisions de votre partenaire même si elles sont brusques. Célibataire, en amour, vous ferez la rencontre de la personne souhaitée. Tout ira bien côté argent si vous adoptez un comportement sage, prudent et économe. Globalement, vous jouirez d'un bon équilibre. Tous les systèmes de votre organisme fonctionneront à souhait. Vous n'aurez rien à redouter des techniques nouvelles qui s'avéreront une belle opportunité pour mettre votre travail en valeur. Verseau, quelques problèmes surviendront à cause de vos divergences d'opinion sur l'organisation de la vie quotidienne. Célibataire, va avant tout protéger vos amours. Vous allez effectuer d'excellentes transactions financières et réaliser de fructueux investissements. Pensez à vous distraire et à vous amuser. La planète Mercure vous encouragera à prendre des initiatives dans votre métier et à promouvoir vos bons rapports avec vos collègues de travail. Poisson, pour finir, la Lune éclaire votre couple. Grâce à son influence, vous ne serez pas déçu dans votre vie conjugale. Célibataire, la jalousie à propos d'une affaire sans importance véritable pourrait ronger votre cœur. Gérez votre budget avec rigueur si vous ne voulez pas avoir bientôt de gros problèmes. Vous aurez la possibilité de vous distinguer dans votre profession. Sachez vous mettre en avant, ce sera le bon moment. Dame Ravitan, visionnaire astrologue, vous souhaite une excellente journée. Vous invite au séminaire qui aura lieu le samedi prochain. Lors de ce séminaire qui aura lieu à partir de 15h à la mairie de Calavi, vous aurez beaucoup de recettes spirituelles, vous aurez beaucoup de secrets pour vivre mieux et vous partirez avec 4 produits. Vous avez le parfum Djobé, la poudre au cholet, le savon Agbono et l'eau magnétique Soleil Jupiter. Donc voilà ceux qui vont payer 25 000, ceux dont ils auront droit. Mais vous qui allez payer 10 000 pour assister à ces séances, bénéficier des 100 recettes et d'autres conseils spirituels, vous partirez avec l'eau magnétique Soleil Jupiter. Voilà ce qui se passera le samedi prochain. Et je profite pour vous dire que le mois de novembre est là. Et dans ce mois, nous avons 5 signes qui seront plus chanceux. Nous avons le signe Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne et Poisson. Cancer, Vierge, Scorpion, Capricorne et Poisson sont les signes les plus chanceux dans le mois de novembre. Nous vous conseillons le savon Sachiel à utiliser tout le long de ce mois. Quant aux autres signes, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire, Verseau qui auront des difficultés financières au cours de ce mois de novembre. Alors, achetez le parfum Salmon de Genève pour décanter les blocages qui vous empêcheront de vivre mieux. Merci à tous. Appelez-nous au 96 44 90 89 94 46 15 75. Je vous remercie.